Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, en quelques questions, on va parler de Kazam. C'est une nouvelle marque qui arrive partout en Europe, de mobile. En deux mots, les deux, trois avantages d'acheter un Kazam aujourd'hui pour un consommateur, on va dire français, qui souhaite avoir un smartphone. Alors, premier avantage, en effet, on s'est positionné sur un niveau de prix très agressif. On a une gamme de produits qui va du 3,5 pouces au 5,5 pouces, passant du 79 euros au 179 euros. Donc là, bah, on a une offre très agressive. Et en plus de tout cela, on a proposé des services innovants. Un qui est totalement exclusif, il faut savoir que sur les 12 premiers mois de garantie, le consommateur peut casser son écran pour une raison X ou Y. Et on lui remplace gratuitement. Donc c'est un vrai avantage, dans le sens où on a beaucoup d'amis près, de près ou de loin qui ont cassé leur mobile. Vous prêtez un mobile pendant le temps de la réparation ? Alors, pendant le temps de la réparation, le mobile peut être prêté, en effet, si le client vient sur son point de vente, auquel cas il y a des produits qui sont en prêt. S'il envoie directement à notre centre de SAV, non, on ne peut pas lui prêter de mobile. Okay. Globalement. Ça dure combien de temps la réparation d'un écran ? Alors la réparation, aujourd'hui on a un SAV qui est capable de réparer en 5 jours, où on a un service express également, donc ça fait partie du deuxième avantage qu'on a chez Kazam, c'est que si le consommateur veut récupérer son mobile sous 48 heures, on a développé un service Kazam Express qui permet de le faire, avec une enveloppe pré-enregistrée, pré-timbrée, qui arrive directement chez le consommateur, et il y a un jeu de va-et-vient entre le produit et le centre de réparation. Deuxième avantage. Alors deuxième avantage, c'est un avantage vraiment très, très avantageux pour le consommateur, c'est Kazam Rescue. Donc Kazam Rescue, c'est tout simple, c'est une application native dans le mobile, donc sous un petit format icône qui est présent dans le mobile, que je pourrais vous montrer un peu plus tard, qui permet au consommateur d'appeler la hotline. La hotline demande tout simplement au consommateur, est-ce que je peux prendre accès à votre mobile? Le consommateur dit oui, et dès lors, on lui envoie un login password, et le hotliner prend le mobile à distance et peut lui configurer soit une adresse Gmail par exemple, ou alors d'aller chercher tout simplement des photos dans son mobile si je ne sais pas aller les chercher. Donc ça c'est un service très innovant et qui est gratuit pour le consommateur. Pourquoi avoir choisi d'embarquer simplement Android sans surcouche ? Alors Android sans surcouche, je prends toujours l'exemple de l'automobile. Aujourd'hui vous avez un tas de constructeurs qui proposent un tas d'électroniques embarquées. Donc, au final, les consommateurs se rendent compte que ce qui les intéresse, c'est vraiment des lignes épurées avec des services éventuellement à la carte, mais que le consommateur ira chercher par lui-même. Dans la téléphonie mobile, c'est pareil. Plus on envoie de la surcouche sur le mobile, plus le consommateur est perdu dans son écosystème. Donc, nous, on a pris la décision de faire la marche inverse et vraiment d'avoir un Android épuré, de sorte à ce que le consommateur puisse se retrouver facilement dans son mobile. Et si le consommateur en fait la demande, bah, il ira chercher sur son Android un market. Une application qui ira bien pour ses besoins. Les réseaux de distribution qui ont été choisis en France aujourd'hui ? Oui, on a plusieurs réseaux de distribution aujourd'hui qui sont actifs, donc depuis le 13 février. Cdiscount, qui est le numéro 1 du e-commerce, donc qui distribue l'intégralité de notre gamme depuis le 13 février. On a également Telemcom, donc, qui est un réseau de distribution spécialiste présent sur toute la France, avec 244 magasins qui distribuent l'intégralité de notre gamme également. Depuis le 13 février, on a également un réseau de distribution qui s'appelle Vivre Mobile, 180 points de vente, qui distribue nos produits. Et à partir du mois de mars, Carrefour, qui va distribuer le Q4.5 dans tous les magasins Carrefour de France. Donc à date, on a déjà 700 magasins qui nous distribuent, plus le numéro 1 du e-commerce Cdiscount. Alors des annonces vont être faites demain matin, est-ce que tu peux les donner ? On diffusera comme demain matin. Ah oui, il faut diffuser demain matin, il faut laisser la primeur à notre directeur marketing qui est basé en Angleterre. Donc on aura le plaisir d'annoncer demain matin deux événements majeurs. Le premier, c'est un lancement d'un produit 4G à partir du mois d'avril, en partenariat avec Qualcomm, parce que ça sera un produit cadencé en 4 cœurs, 1,2 GHz. Donc un beau partenariat, un produit qui sera en 4,5 pouces, 8 Go de mémoire, 8 mégapixels. Qui nous permet de rentrer dès le mois d'avril sur le territoire du 4G. Et la deuxième annonce, qui est une annonce importante également, c'est qu'on va lancer un Kazam Octocore. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez demain. Et ce produit nous permettra aussi de rentrer dans la cour des grands. Rémi, merci. Merci.